David chez sa grand-mère. Et voilà, youpla boum, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous rendre une petite visite. Comme au vieux temps. Comme au vieux temps. Ça y est, t'es fâché? Ah non, 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 ah, pas du tout. Si, c'est ça. Ah, c'est ça, oui. Mais non, je suis pas fâchée. Ça y est, t'es fâché? Ah non, 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 pas du tout. Non, simplement pas... Ça y est, t'es fâché? Ah non, 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 pas du tout. Non, simplement Patrick a dû partir en voyage pour une semaine. Alors comme Wendy est en classe de mère, j'ai expédié David chez sa grand-mère. Et voilà, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour venir passer quelques jours avec vous. Comme au bio vieux temps. Comment t'en passer? Comment t'en passer? On va commencer, je suis en boucle là. Pas éplucher la banane. Bonjour, madame Belfin. Ah, c'est vous? Bonjour, Daniel. Vous allez bien? Oui. Oui, Excusez-moi. Vous voulez que je vous dise, les filles? Moi, plus j'y pense et moins j'y crois. À quoi? À sa décision, là! Non, c'est pas du tout son genre de se décider comme ça en une seconde. Non, non, ouais. Moi je pense qu'il y a anguille sous gant. Claire, je vous ai déjà dit que j'adorais les blondes. Même les fausses blondes, hein. T'es con. Heureusement pour toi que tu n'as pas choisi le juge pour te déguiser. Putain. C'est quoi? Que je n'ai pas hésité de te déguiser en juge. Heureusement pour toi. Oui, heureusement pour toi que tu n'as pas décidé de te déguiser en juge. Comme ça, il aurait fallu que tu t'avales le code pénal, le code civil et plus la jurisprudence, quoi. Ouais, comme tu dis, hein, une chance. Tu es sûr que les loups-garous font vrib. J'ai pris un petit judo. Un petit judo. Il se transforme en loup-garou, mais avec une bête hideuse. Tu sais que plein de poils partout, tout caca dehors. Non, tu sais. Oh, écoute, Gérard, fais pas cette tête-là, enfin. Écoute, remets-toi. Mais tu sais, je suis un petit peu nerveux, c'est sûr. J'ai un trou. Moi aussi, j'en ai un. Il m'a téléphoné en me disant Pouponette. Oui, oui, eh oui. Il m'appelle Pouponette. Et alors ça m'énerve. Enfin bref, il me dit Pouponette, j'ai le type qu'il nous faut pour la pub, et là, il est, je ne sais plus ce que je dis. Mais c'était bien. Ben... Attends, tu reprends Pouponette quand tu veux. Vous vous rendez compte? Quand tu veux, vas-y. Et là, il me dit Pouponette, j'ai le type qu'il nous faut pour la pub, et je ne sais toujours pas ce que je dis. Mais je vais vous le dire. Je viens de le rencontrer dans le bus. Vous vous rendez compte? Même chose, quand tu veux.
Mais alors, tu sais, faut passer aux apparences. Regarde-moi, j'ai plutôt l'air courageux et costaud, même. Seulement la moindre contrariété, ben... Je vais l'urticaire. Je croyais que tu t'étais levé. Bloqué. On recommence? Je me lève comme ça. Oui, là je pouvais plus. André, on refait au départ ou encore? Je peux essayer. Merci Gérard. Je t'en prie. Bon. Ah oui, c'est à moi. J'attends, j'attends. Ah, ça garde. Tu peux récupérer un chéri. J'attendais, je vais. Oui, oui. Non, on vient de prendre la... On vient de te dire merci, Gérard. Silence sur le plateau, merci. Quand tu veux, Gérard. À propos, vous avez vu qui est là, au bord de la piscine? Non, qui ça? C'est Adeline. Oh, elle est belle, on dirait une sirène. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Mais il y en a d'autres. Oh, ma grand fou. N'exagérez pas, quand même, si elle est très, très mignonne. Et d'ailleurs, mon Vincent ne s'y est pas trompé. Mmh. Venez, Marc. On va aller s'asseoir près d'elle. Mais ben, faites attention parce que les studios, c'est qu'il est en train de... Oui. Putain, moi, ça m'affole, hein, tout ça. Moi aussi. Ta sœur a découché, c'est tout. Ah non, non, découché, non, non, ça, c'est pas possible. Non, non, je connais trop bien Claire. Non, depuis 30 ans, d'ailleurs, que je la connais, pas une seule nuit, elle a découché, alors. Ah oui, comment t'expliques que son lit ne soit pas défait? Je suis désolée. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis désolée. Il doit être dans la gueule. Attention. Ok. Attention, ça tourne. Ok, dans ton bouquin, Vincent, ok. Action. Oh, j'ai failli me viander. Avance. Mais attends, puisque je te dis que c'est pas la peine. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Pas la peine. Ah, je sais pas si je vais arriver. C'est bon? Oh ben, hé, moi je pensais que t'étais impatiente d'aller faire du sport. Je la refais tout de suite. Moi je pensais que t'étais impatiente d'aller faire du sport. Faire du sport, n'importe quoi, faire du sport. Non mais attends, je t'explique. J'étais en train d'essayer de pénétrer les neurones de Karen pour qu'elle comprenne qu'il fallait qu'elle retourne. Pardon. Oh, je reprends maman, va. Pénétrer les neurones, excuse-moi, mais... Fais... Non, me relance pas, c'est pire. Non. Moi, excuse-moi, je pensais que t'étais impatiente d'aller faire du sport. Faire du sport, n'importe quoi. Je t'explique. J'essaierai de pénétrer... Un quart d'heure plus tard. Moi, je pensais que t'étais impatiente d'aller faire du sport. Faire du sport, n'importe quoi. Non, mais attends, je t'explique. J'essaierai de... Pardon. Non, il fait le con, Gérard. Gérard, t'as terminé là ou pas? C'est terminé ou pas? Oh Gérard, tu fais chier, franchement. Hein? Écoute, j'attends que t'aies fini pour prendre café. Ta carte est par terre en plus. Non, mais écoute, là j'attends pour pas cette séquence quand tu vas. Tu feras le con après, 5 minutes. Vas-y. Jacques, à nouveau, vous ne connaissez pas. Il a 45 ans, mais c'est vraiment un type super. Moi qui pensais que les vieux, ça m'intéressait pas. Quel idiot j'étais. Un vieux, 45 ans. C'est vraiment le rêve, un homme comme ça, tu vois. Toujours prêt à vous emmener danser, distingué, galant, prêt à vous rendre tous les services qu'on veut. Écoutez, les filles, vous devriez essayer. C'est autre chose que ces traitants de crantons. Non. C'est peut-être...
pas. Qu'est-ce que tu crois qu'on est assez bêtes pour donner nos véritables dates de naissance? Non, mais oh, t'es fou. C'était sur une fesse. C'est la fin. C'est la fin. J'ai fait partir une fois. Mais dis-nous, t'es pas possible.